Je pense qu'on a bien joué, on a surtout bien géré le match. C'est notre troisième journée, c'est notre deuxième journée ici, deuxième journée d'entraînement ici. L'altitude aussi, puis la chaleur, faut s'adapter. Donc je pense qu'on a joué un bon match, on a bien géré. On n'a pas eu beaucoup de chances de marquer, ça va venir avec le temps, mais je pense qu'on a bien géré le match. Tu deviens fatigué beaucoup plus vite, tu perds ton souffle beaucoup plus vite. Fait que ton deuxième souffle embarque vite. Fait que des fois, dans des matchs, là, surtout après 10-15 minutes, t'es fatigué, t'es mort. Ça te prend du temps avant d'avoir ton deuxième souffle. Fait que ça, c'est pas normal, on n'est pas habitué à ça. Mais bon, ça va être comme ça contre Pachuca, donc il faut s'habituer vraiment, puis c'est avec des matchs qu'on va s'habituer. C'est sûr qu'il y a un peu d'ajustement, parce que bon, même si ma position naturelle, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas joué là, même en équipe nationale, je jouais à milieu de terrain. Donc, c'est surprendre ses repères, mais bon, ça s'est fait quand même assez vite. Puis les gars me guident beaucoup aussi, là, j'ai Laurent qui me guide beaucoup, Nigel aussi qui me guide beaucoup. Donc, ça se passe quand même bien, puis je reprends vite mes habitudes. Ben, c'est sûr qu'il faut s'adapter, puis c'est sûr que tout le monde soit sur la même page, puis ça va prendre un peu de temps, mais bon, ça commence. Puis c'est des bons gars aussi, là, on s'amuse beaucoup. Il y a plus de chimie à l'extérieur du terrain, puis je pense que c'est bon, c'est une bonne chose. Puis on va voir, ça va sûrement se transmettre sur le terrain. Donc, ça va être une bonne chose. Je pense qu'on va avoir une bonne équipe cette année-là. Ben là, on a un inter-squad vendredi, puis on a un autre match mardi prochain. Donc, c'est sûr que dans ces matchs-là, on va essayer de faire ce qu'on veut faire contre Pachuca. Mais bon, depuis le début du camp d'entraînement, le message est clair, là, c'est qu'on s'entraîne pour le match contre Pachuca. Puis en ce moment, je pense que les coachs sont satisfaits. Je pense que les joueurs aussi sont satisfaits du travail qu'on fait. Donc, ça regarde bien. Là. I thought it was pretty good overall. Obviously, it was our first game. We traveled 6 hours the 2 days before, so it was tough. Obviously, the altitude's very difficult, but it was good. It's building our fitness up. I thought we had a pretty good result against a really good Cruz Azul side. They had some really quality players there. So overall, we were really defensively organized, got a little bit of fitness in, so I think it was overall really good. I think obviously now it'll be a little bit lighter. We'll probably start pumping the brakes a little bit. There's some heavy legs out here for sure, and try to really focus on the games that we're playing, try to really get something out of those, and then obviously in training now we got to start working towards Pachuca. It's coming up, and we got to start kind of training to play them, so get ready for that. It's good. It's a little less nerve-wracking for me personally. Obviously, your rookie season, you're just kind of trying to figure out professional soccer and kind of where you fit in, but obviously second year around, we got a lot of new guys, so I'm probably one of the guys who's been here longer than a lot of guys who we just got, so it's good. I'm a little bit more experienced, and I'm ready to go. If you do that, and you win the ball there, you're going to have more of the ball, and you're going to score more. Yeah, I know. 100%. It's 100%. I don't know how we can put it. You win the ball higher up, yeah. You win the ball, we're good enough that we'll have the ball longer. Yeah, but when we lose it, psychological.